Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la deuxième séance du matin. Alors, je soupçonne que vous êtes des gens qui aimez beaucoup les soirées électorales. Vous aimez beaucoup la politique. Alors, jusqu'à maintenant, il y a une carence, ou en tout cas, il y a une faiblesse au colloque, c'est qu'on ne connaît pas le résultat du vote sur le projet d'union fédérale au Parlement uni. Alors, étant donné que j'ai passé une partie de mes plus belles années à lire les débats parlementaires en 1865 au Canada uni, je vais vous donner les résultats. Alors, je vais vous donner les résultats juste pour le Québec, le Bas-Canada, à la Chambre basse. Il y a eu aussi un vote à la Chambre haute. Ça serait intéressant d'ailleurs qu'on se penche sur ces débats-là aussi, également. Alors, le 10 mars 1865, pour la partie bas-canadienne de la Chambre basse, 37 députés ont voté pour l'envoi d'une adresse à Sa Majesté pour implorer la reine de procéder à l'unification des colonies. Donc, 37 pour, 25 contre. Lorsqu'on regarde les 25 députés qui ont voté contre le projet, il y avait 4 députés bleus, donc des conservateurs qui ont tourné le dos à Georges-Étienne Cartier. Il y avait 11 violets, des gens qui étaient ni rouges ni bleus, mais qui étaient dans l'entre-deux. Donc, 11 violets et 10 rouges. OK? Alors, il n'y avait pas juste des rouges, mais les rouges, évidemment, adressait une critique assez dévastatrice au projet. Une chose qu'on ne dit jamais aussi, parmi ces 25 opposants, 5 étaient des anglophones. Hein, on pense que les anglophones étaient unanimes en faveur. Alors, parmi les 25 députés qui étaient contre le projet, sur les 25, il y en avait 20% qui étaient des députés anglophones, dans la région de Montréal ou dans les cantons de l'Est. OK? Alors, je pense que c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Alors, je vais présenter mon collègue Marc Chevrier d'abord. Donc, c'est Marc qui va commencer la séance. Alors, pour moi, c'est facile de présenter Marc parce que nous avons travaillé sur différents projets. Notamment une anthologie de discours républicains avec aussi Louis-Georges Harvey et Samuel Trudeau. Alors, Marc s'intéresse à la théorie politique, aux idées politiques. Marc Chevrier est un professeur de sciences politiques à l'UQAM. C'est un essayiste de talent. Donc, il possède différents talents. Il écrit sur, évidemment, des questions d'actualité politique. Et Marc a offert au public québécois une ambitieuse actualisation de la théorie républicaine appliquée au Québec il y a quelques années déjà, aux éditions du Boréal. Alors, l'ouvrage, je pense, ma mémoire est bonne, s'intitule « La République québécoise ». Alors, Marc va nous parler aujourd'hui, je cherche le titre de sa conférence, alors, « Du Dominion victorien à l'Empire justinien ». Alors, l'Empire justinien, ça fait un peu antiquité romaine, mais c'est bien dans l'esprit de Marc. Alors, donc, on vous écoute, Marc. Merci, Stéphane. Merci, Stéphane, et merci, bien sûr, à vous tous et toutes d'être venus vendredi en pleine semaine de lecture. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Selon un vieil adage, le diable est dans les détails. Selon un grand architecte contemporain, Miss Van der Rohe, c'est plutôt Dieu qu'on trouve dans les détails.
peu importe ce que vous y trouvez, il faut la peine quand même de les regarder. Alors, je débuterai mon propos par deux types de détails. Premier type de détails, certaines déclarations qui ont lieu justement lors des débats qu'on appelle aujourd'hui fondateurs. L'un des protagonistes du projet, George Brown, annonce la création d'un nouvel empire. Plus emphatique, Hector-Louis Langevin, alors solliciteur général du Canada et futur superintendant des affaires indiennes, salua la nouvelle constitution destinée à régir un des plus grands empires du monde. Rien de moins. Quant au rouge, il y a quand même un rouge, Joseph-François-Xavier Perrault, il reprocha justement aux promoteurs du nouveau régime de vouloir établir un empire concurrent de la puissante République voisine. Il déclara, lors de ce débat, « Le but du projet de confédération, vous voyez, le mot apparaît même dans la bouche des rouges, du point de vue du ministère, est la formation d'un vaste empire limité par l'océan Pacifique d'un côté, par l'océan Atlantique de l'autre, au sud par l'Union américaine et s'étendant jusqu'au pôle Nord, laissant à l'ouest l'Amérique russe, qui n'était pas encore américaine. » Quelques années plus tard, un auteur anglais publie dans la prestigieuse revue britannique Westminster Review un article, 1889, dans lequel, après avoir cité longuement le philosophe Hegel et sa philosophie d'histoire façonnée par des empires mus par l'esprit du monde, Weltgeist, il observe que les dominions autonomes britanniques, comme le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud, sont sur la voie de supplanter en population la métropole. Et il les décrit chacun comme un embryon d'empire britannique. Embryo British Empires. C'est l'expression qu'il utilise. Autre petit détail. Un changement de phraséologie entre le texte des résolutions de Québec de 1864 et le texte qui deviendra le fameux Acte de l'Amérique du Nord britannique, qui a été révisé par les légistes de Londres. Alors que les résolutions de Québec envisagent « a federal union under the crown of Great Britain », on parle même de « federation of the British North American provinces », on parle aussi de « federated provinces », l'expression arrive même à plusieurs reprises, le texte retenu à Londres devient soudainement économe de termes renvoyant au fédéralisme. En fait, le concept de fédéralisme n'apparaît qu'une seule fois dans tout le texte de ce fameux Amérique du Nord britannique et dans un préambule. Et non seulement il apparaît une seule fois, mais il apparaît strictement sous la forme d'un adverbe. Puisque, vous citez l'anglais, puisque seul l'anglais est officiel, on annonce la création de trois provinces « to be federally united » into one dominion under the crown of the United Kingdom. Autre élément remarquable, c'est que le concept qui revient systématiquement dans la loi impériale britannique n'est pas celui de fédéralisme. Comme je l'ai dit, il n'apparaît qu'une seule fois, sous la forme d'un gentil adverbe. Il apparaît que ce concept, quatre fois dans le préambule, il fait l'objet d'une sous-section entière de cette loi, il revient dans de nombreux autres articles. Et quel est ce concept? C'est le concept de « union ». Or, ce concept est répété dans de nombreuses lois constitutionnelles canadiennes qui ont été adoptées après 1867, ainsi que dans ce qu'on appelle les ordres en conseil, qui ont souvent décidé du statut des possessions nordiques de Sa Majesté. Loi du Manitoba, ordre en conseil de 31 juillet 1880, où d'ailleurs on dit en toutes lettres que les possessions britanniques de l'Amérique du Nord et les îles adjacentes sont admises into the Union and shall be annexed. Donc, le concept d'annexion fait partie du droit constitutionnel canadien. Et finalement, dans la loi de Terre-Neuve, le concept d'union réapparaît. On lui consacre d'ailleurs plusieurs articles. Cette loi est en fait la ratification des Terms of Union. Et d'ailleurs, chose amusante, dans le préambule de la loi 49, on parle non pas de fédération ou de federally, mais on prend acte du désir de Terre-Neuve to enter into confederation with Canada.
Et finalement, à l'article 36 de la loi constitutionnelle de 1982, on y traite de péréquation, d'inégalité sociale, des engagements pris par les gouvernements, mais, chose amusante, dans la doctrine qui commande cet article, on dit « Ah, cet article en chasse des éléments de l'Union sociale canadienne. » Alors, si un Martien devait atterrir chez nous et prenait connaissance de nos textes constitutionnels, alors qu'est-ce qu'il pourrait conclure, ce cher Martien? Alors là, il pourrait penser que le concept d'union est très important et qu'il se plie à toutes sortes d'usages. Il désigne à la fois le processus de réunion de colonies dans un tout, ou l'incorporation, l'admission ou l'annexion d'une colonie, d'un territoire ou d'un dominion déjà indépendant, comme l'était Terre-Neuve, dans un corps déjà existant. Et ce processus est soit fédéral ou confédéral. L'union désigne le corps politique lui-même en tant qu'entité. Il désigne aussi le moment même où la consolidation de ce nouveau corps est faite, ou le moment de l'incorporation d'un élément à ce corps existant. Ça désigne aussi l'extension progressive d'un corps déjà uni dans tout l'espace septentrional du continent de l'Amérique du Nord. Et ensuite, implicitement, un processus continu d'unification de la vie sociale, matérielle, économique et culturelle par le truchement des compétences unificatrices du Parlement canadien. Or, le concept d'union a toute une histoire dans l'histoire dans le droit constitutionnel britannique. C'est un concept polyvalent dont l'Angleterre s'est servie pour construire son premier empire insulaire. Ainsi, l'annexion du Pays de Galles en 1536 sous les Tudors, l'incorporation plus ou moins forcée de l'Écosse en 1707, et puis celle du Royaume d'Irlande en 1801 pour former le Royaume-Uni, empruntèrent toutes au langage de l'union. De même, dans les colonies britanniques, l'on établit des unions fédérales, législatives. L'Union canadienne de 1867, d'ailleurs, a ouvert la voie à la consolidation de plusieurs autres colonies britanniques sous la forme d'union. D'ailleurs, lors de la création de la nouvelle entité de l'Afrique du Sud en 1910, elle prend d'ailleurs le nom carrément d'Union sud-africaine. Et même en Inde, lors de l'indépendance et de la partition douloureuse avec le Pakistan, on choisit le concept d'union, qui va d'ailleurs désigner le gouvernement fédéral dans son ensemble. Bref, qu'il fût agi d'annexer un proche royaume ou d'organiser autrement le domaine colonial, l'union s'est avérée un concept ou un parapluie sur lequel le Parlement, d'un centre souverain, soumet à sa loi une périphérie quelconque, sans y introduire pour autant ni l'uniformité, ni l'égalité de statut, en cultivant d'ailleurs toutes sortes de différenciations symboliques et institutionnelles. D'ailleurs, pour plusieurs auteurs britanniques, le Royaume-Uni pratiquait depuis longtemps, par son art de l'union politique, le fédéralisme. Partridge, que j'ai cité tout à l'heure, l'anglais qui parlait donc de l'Irlande, disait lui-même dans son texte, « Le fédéralisme a été introduit chez nous, les politiques anglaises, en 1707, union avec l'Écosse, 1801, union forcée avec le Royaume d'Irlande. » Les Britanniques développèrent donc une conception très souple du fédéralisme impérial qui pouvait certes adopter comme modèle le système américain du pacte fédéral rigide, mais il y avait aussi, pour les auteurs britanniques qui écrivent sur l'Empire, d'autres façons de faire du fédéralisme. Et encore aujourd'hui, il y a des auteurs qui considèrent que le Royaume-Uni d'aujourd'hui, ramené à ses quatre nations historiques, forme toujours un empire. Ce n'est pas un État, un empire. C'est la thèse, notamment, de Denis Baranger, un brillant professeur de droit constitutionnel qui enseigne en France à Paris. Et il a écrit tout un ouvrage fascinant où il essaie d'écrire la constitution non écrite britannique. Et sa thèse, c'est que le corps politique qu'on appelle le Royaume-Uni n'est pas un État, c'est un empire. Et je peux vous en donner une petite définition. L'Empire est défini, c'est la sienne, est défini par son centre, non comme l'État par ses limites. Dans l'Empire, tout espace extérieur est un intérieur potentiel. Mais le sort réservé à cet intérieur est d'une autre nature que de ce qui arrive dans les limites de l'État. Il n'est pas question d'uniformiser ce qui est enserré dans les liens de la puissance impériale, les démarcations anciennes, les lois et coutumes propres à chaque entité, et même les cultures, les sentiments nationaux, ne sont pas abolis.
alors que l'État, lui au contraire, cherche à abolir toutes les frontières internes. Mais n'étant pas appelé à devenir un autre soi-même, à être uniformisé, à devenir homogène, celui qui est intégré dans l'Empire peut rester hostile aussi longtemps qu'il demeure soumis. Alors, je peux donner d'autres définitions de l'Empire. Il y en a une très belle qui a été produite ici à Montréal en 1944, un ouvrage fascinant, presque oublié, Jean-Thomas Delos, juriste et dominicain qui se réfugie ici pendant la guerre, un grand ouvrage sur la nation que d'ailleurs Pierre-Éliott Trudeau va citer plus tard. Il donne une définition de l'Empire. Il dit « Ce n'est pas seulement une variante historique du royaume ou de la République, il désigne une forme politique particulière, susceptible de définition telle que celle-ci, un vaste ensemble de collectivités politiques et ethniques qui conservent leur individualité, mais qui sont soumises à une souveraineté politique une, mais pluraliste, avec certes une tendance à superposer hiérarchiquement leurs systèmes sociaux. » Autre définition, un des figures de proue du personnalisme européen, Denis de Rougemont. Dans une toute petite note de bas de page, il dit « Poussons plus loin le paradoxe, la Suisse est elle-même un empire réussi en tant qu'elle groupe sous une régie suprême et arbitrale, supranationale, une pluralité d'États, d'ethnies, de confessions, de traditions culturelles et sociales. Pluralisme et arbitrage suprême, mais non pas dimension géographique, sont en effet les notes essentielles de l'Empire. » Alors, avec ces définitions, on pourrait tirer cette conclusion provisoire que, finalement, il y a une très grande parenté entre Empire et Fédération. On ne saurait, quant à moi, s'en surprendre, car souvent les propriétés qu'on associe d'ordinaire à l'Empire sont facilement transposables à la Fédération. Cependant, il y a eu certes au Canada quelques auteurs qui ont avancé l'idée que le Canada est un empire, mais ce n'est pas une idée qui a percé. Et sans doute, ça s'explique par le fait qu'il y a des résistances, je dirais même des obstacles épistémologiques à une telle chose. Je vais en examiner quelques-uns avec vous. Premier obstacle, et je pense que je vais peut-être faire débat, là, à mon avis, c'est justement la prégnance du discours colonial dans nos analyses. Quant à moi, c'est une mauvaise piste d'analyse. Parce qu'il y a une différence entre une domination coloniale et une domination impériale. Quelle est justement la différence? C'est que le fait colonial est un fait unilatéral. Une société s'impatronise dans une autre, elle en fait sa chose, comme disait M. Prosper. Et donc, il en fait sa chose et il en dispose. C'est un fait unilatéral. Et le soumis ne peut rien faire. Il peut résister, bien sûr, mais il est défini par l'autre et l'autre ne lui laisse aucune place. C'est un rapport unilatéral, le fait colonial. Mais qu'est-ce que fait l'Empire si on suit les définitions que j'ai données? L'Empire, il cherche à intégrer celui qui l'a soumis. Et les empires ne peuvent pas se consolider juste par la force. Ils doivent justement aller chercher le consentement, ou du moins une certaine collaboration des élites. Ils doivent, pour prendre un terme de Chomsky, manufacturer le consentement. Et dans ce cas-là, on intègre l'autre soumis, on lui donne des droits. Dans une colonie n'envoie pas de députés au Parlement métropolitain. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains on fait une révolution anticoloniale, ils l'ont gagnée. Mais quand le soumis commence à avoir des droits, à être intégré, à avoir même part au gouvernement central, à être des députés, même des ministres, et parfois même ils deviennent premiers ministres, on n'est plus dans une domination de type colonial. Ma thèse, c'est qu'on est dans une domination de type impérial. Et je ferai remarquer que, en fait, ces analyses qui insistent sur le fait que l'Empire cherche à intégrer l'autre. Donc, pour l'intégrer, il va lui donner un peu d'espace. On cherche à faire de l'autre, comment dire, un soi, mais pas entièrement.
Et bon, Hannah Arendt, Maurice Duverger, grand historien britannique Eric Hobsbawm insistent toutes sur ce fait que l'Empire doit intégrer s'il veut se consolider. Alors, il y a plusieurs techniques pour le faire. Hannah Arendt a beaucoup insisté, et curieusement, ses textes célèbrent l'idée d'Empire. Moi, quand je l'ai lu attentivement, j'étais le premier estomaqué. Et elle dit que l'Empire naît du pacte pacificateur que le dominant conclut avec le dominé pour l'intégrer avec toutes les autres composantes sous une loi commune. Elle a d'ailleurs souligné comment Rome a édifié son empire par un système d'alliances qui transformait les vaincus en sociétaires liés par une association d'intérêts durables. Un autre obstacle, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on entend souvent dire « Ah, il y a l'Empire américain. » Donc, il y a un grand empire à l'heure actuelle, ça explique qu'il y en ait d'autres. Régis Debray, en France, a sorti un livre qui s'appelle « Civilisation ». Alors, il dit que maintenant que les Français sont tous des gallo-ricains, au surplus sans doute les Québécois. Ou alors vous avez une théorie très à la mode à l'UQAM, Art et Negri, là, des radicaux, qui nous disent « Oui, il y a un empire mobile qui est partout, qui se déplace, puis qui nous régit, puis il faut lutter contre ». Alors, évidemment, qu'une telle idée qu'il y a un empire universel qui nous englobe et qui exclut toute autre forme de domination impériale, bien évidemment, on ne peut pas penser ce que j'appellerais les empires intermédiaires. Une autre objection qui revient ad nauseam dans la littérature, on dit « Ah, une fédération, ça ne peut pas être un empire », parce qu'on dit, bien sûr, la fédération, ça repose sur le consentement, alors que l'empire repose sur la coercition. Quant à moi, c'est une distinction très fragile, je dirais même oiseuse, parce que, franchement, peu de fédérations dans le monde qui sont issues d'une conversation qui ressemble à une dégustation de thé. Et des fédérations qui ne sont pas issues d'une manière ou d'une autre de la rationalisation d'un fait violent, il y en a peut-être quelques-unes. Là. Je sais qu'il y a une fédération dans les Caraïbes qui s'appelle Saint-Kitts et Nevis, d'une petite île. C'est une fédération, sans doute pas un empire. Il y a peut-être quelques cas d'école là, qui ressemblent à une fédération théorique très belle, où il y a un bel échange de consentement. Mais les exemples ne sont pas très nombreux. Et beaucoup pensent que l'Empire n'est pas limité au phénomène des empires européens qui se sont défaits par la décolonisation. Deux grands théoriciens de la décolonisation, Jane Burbank, Frederick Cooper, dans un texte récent, ont défendu cette idée que l'Empire a survécu à la décolonisation, et je pourrais vous sortir toute une liste d'auteurs assez abondantes qui pensent de même. Une autre objection dit « Ah, un empire, ça ne peut être qu'immense, voué à l'expansion indéfinie. » Bien sûr, les empires historiques ont toujours eu tendance à chercher l'expansion territoriale maximale, étant donné les circonstances. Mais ils finissent tous par connaître des bornes. Par ailleurs, ce n'est pas tous les auteurs qui insistent sur le gigantisme territorial et démographique pour définir l'Empire. Je vous ferai quand même remarquer que le Canada a quand même 40% de son territoire qui est constitué en territoire, justement, et non pas en États provinciaux. Et souvent, chaque État provincial a son propre interland nordique, pour ne nommer que le Nouveau-Québec. Alors, bien sûr, en 1867, l'idée d'Empire a fleuri dans les débats. Et je ne crois pas qu'on avait conscience, à l'époque, d'un projet impérial très clair. On était encore, bien sûr, une colonie britannique. Cependant, je dirais qu'une volonté de domination de type impérial a été formulée chez nous dès avant 1867. Et pour moi, le moment fondateur remonte à la dictature coloniale de Lord Durham. C'est le moment où s'élabore un projet d'unification continentale, élaboré suivant les principes de ce que certains historiens ont appelé le progressisme despotique, dont furent imbus beaucoup de penseurs libéraux, dont John Stuart Mill, et même Tocqueville en Algérie, qui d'ailleurs va lire avec délectation le rapport Durham. En défaisant l'union consociative de 1840, l'on met en place un nouveau corps autonome expansif qui minorise de manière ingénieuse le Canada français, tout en obtenant la collaboration de la portion la plus britannisée de ses élites. Après 1867, l'Union canadienne va connaître des métamorphoses significatives, donc rapidement lesquelles. On va observer un double processus de canadianisation des Britanniques du Canada et d'anglicisation du Canada français.
Alors, la naissance tardive de nationalisme canadien, qui a conduit dans le Canada à rompre avec la Grande-Bretagne, a cela de remarquable que le Canada a réussi à faire ce que le Royaume-Uni n'a pas su faire pour lui-même, soit fondre Anglais, Irlandais, Gallois, Écossais dans un nouveau creuset national. On a réussi à faire ça au Canada, anglais. Et ça, c'est un fait qui est très peu analysé, mais qui est pour moi fondamental. Le Canada français a certes pu résister dans une certaine mesure à ce nationalisme niveleur, mais au prix de l'assimilation linguistique d'une bonne partie de ses membres et de ce que j'appellerais de l'anglicisation de sa culture politique. Politiquement, les Canadiens français et même les Québécois de la Révolution tranquille sont devenus de bons Anglais, au point d'ailleurs que le mouvement indépendantiste sera incapable de renouer avec le langage républicain refoulé des patriotes. Et je dirais même que la naissance de ce mouvement perturbateur, le nationalisme indépendantiste, fut une aubaine pour l'Empire canadien. Il lui a fourni un ennemi intérieur à combattre, source d'inépuisable d'irrationalité à neutraliser, au contact duquel il s'est renforcé en devant revoir son logiciel idéologique et ses moyens de gouvernement. On a observé aussi une canadianisation du droit impérial britannique et un raffinement des techniques de rationalisation juridique. C'est un processus lent par lequel l'élite juridique va vouloir prendre en charge elle-même la construction de l'Empire plutôt que de l'abandonner à la métropole. Déjà à l'aube des rébellions de 1837-38, un obscur docteur en droit écossais, nouvellement installé dans la colonie, énonça l'idée que c'est par le droit, et notamment par la technique du contrôle judiciaire des lois, que l'on pourra empêcher la naissance d'un État français en Amérique. C'est les mots d'ailleurs qu'il utilise. Y asseoir sa domination sur l'élément français et tourbrefait de sa colonie. Il s'agit d'Adam Thom, que Lord Durham va choisir comme secrétaire, et que d'ailleurs John Stuart Mill va défendre dans certains écrits publiés au Royaume-Uni. Mais c'est seulement dans la deuxième moitié du 20e siècle que le plan d'Adam Thom sera mis en œuvre. Il faudra pour cela que les juristes rompent avec le vieux formalisme de la common law et avec le paradigme de la souveraineté parlementaire pour embrasser celui de la suprématie constitutionnelle à l'américaine. Tout en connaissant une telle évolution, le droit canadien va continuer à cultiver cet art typiquement britannique de ce que j'ai appelé la béance. Hier, on a beaucoup parlé des omissions dans la loi de 1867, mais ça a été théorisé, cette question-là. Pourquoi de telles omissions? En fait, elles font partie d'un art de gouverner qui consiste finalement à laisser en plan, à passer sous silence, des silences plus ou moins convenus, des questions épineuses ou délicates qui leur relèveront d'autres normativités que celles du droit officiel. Ainsi sont tombées dans ces surprenantes béances, la question de la procédure d'amendement qui nous a obsédés jusqu'en 1982, des rapports de Québec et du Canada, ou entre eux et les Autochtones, la question du pouvoir d'urgence, du pouvoir fédéral de dépenses, etc. Donc, c'est donc souvent en marge de la Constitution, mais sous le patronage de ces principes souvent implicites, que doivent, au fond, se régler les rapports majorité-minorité. Il en est donc résulté un espèce de droit qui a su fort opportunément cultiver toutes sortes de dissociations, comme celle entre liberté individuelle et liberté collective, entre langue et territoire, entre langue et culture, pour gérer, d'une certaine façon, l'inclusion maîtrisée de ces périphéries minorisées. Ou en d'autres termes, le droit est devenu le moyen par lequel on spiritualise l'hostilité, pour prendre le langage de Nietzsche. De même, ce langage des droits individuels et communautaires a donné au Canada ce dont tout empire a fondamentalement besoin, une idéologie universaliste. Si le Canada avait déjà célébré sa réalité synthétique en ce qu'il avait réuni des peuples saxons et normands issus d'une honorable souche teutonne, comme chez l'historien greffier de la Chambre des communes John Burino, il se mettra à partir des années 60 à repenser sa vocation synthétique par un mélange habile d'individualisme juridique et d'hegelianisme, le penseur hegelien par excellence chez nous a été Charles Taylor. Il se rêvera sous les habits d'un empire cosmopolitique
apte à reproduire en son sein toute la diversité des peuples et des cultures planétaires sous un éthos commun. Après avoir achevé son expansion territoriale en 1949, le Canada s'est mué sous le parapluie du multiculturalisme en une société de concurrence identitaire qui réduit toute culture et toute religion à un choix personnel sacralisé par le droit constitutionnel. Il en est résulté aussi une confusion des ordres, soit une fusion progressive de la morale et de la politique, ainsi que des religions et du pouvoir civil, comme cela arrive souvent dans les empires. Alors que l'État-nation, ainsi que l'a rappelé superbement Pierre Manant, a tenté d'édifier une cité de l'homme, avec un grand H, qui place ses exigences hors du religieux. La doctrine du multiculturalisme canadien se présente comme une forme de polythéisme impérial, en vertu duquel les pouvoirs publics, bien loin de se définir à distance du religieux, se réclament de toutes les fois, de tous les croire et non-croire, pour s'en augmenter eux-mêmes, comme si toutes les religions qui abritent le sol canadien se levaient dans une méta-église qui confère à chacune son existence, son unicité et même sa voix dans la sphère publique. Enfin, tout empire a une base matérielle, fondée sur l'extraction brute des ressources naturelles. Le Canada est demeuré marqué par son statut de colonie commerciale, où l'accès aux ressources et leur contrôle par des puissances étrangères ont primé sur l'occupation et l'aménagement intensif du territoire. Son développement a reposé en grande partie sur l'exploitation de ses ressources fossiles et l'exportation en vrac de ses métaux. Or, le Canada a connu un grand théoricien de l'Empire. Beaucoup de francophones en ignorent l'existence, soit le spécialiste de l'économie politique Harold Innis. Les empires, a-t-il constaté, doivent souvent leur essor, au fait qu'ils aient privilégié certains médias qui favorisent la maîtrise de l'espace au détriment de la permanence des cultures. Le Canada n'a pas échappé à cette loi des empires, puisque la puissance canadienne s'est érigée sur le contrôle fédéral et privé de la navigation, du rail, de l'aéronautique, de l'aérospatiale, des télécommunications, etc. Il en est résulté, vous pouvez le constater vous-même, une civilisation de la voiture, de l'autoroute, du centre commercial, des banlieues clonées et monotones, des centres-villes quadrillés de Tours, et des villages et villes mono-industrielles perdus dans la taïga ou les vastes plaines de l'Ouest. En 1867, le Canada baignait dans trois mers. Aujourd'hui, une quatrième mer s'est rajoutée, qui est la mer Internet. On navigue pirates et corsaires sur l'onde déferlante d'une culture américaine mondialisée. En ce sens, je dirais que le Canada, en rémora attaché au requin américain, est devenu un empire satellite qui vit dans l'ombre d'un plus grand. Je vous remercie. Donc, je présente Catherine Côté, qui est une professeure agrégée à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Catherine a aussi enseigné à l'Université d'Ottawa. C'est une spécialiste de la communication politique, de l'opinion publique. Elle écrit sur la droite, le conservatisme, la propagande. Et depuis quelque temps sur la question des générations. Alors, donc, Catherine va nous proposer une communication qui s'intitule « Nationalisme imaginaire ou imaginé ». Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oups! Oui, juste un petit addendum, un nationalisme imaginaire ou imaginé, le nationalisme québécois et son double. Vous comprenez qu'il y a deux références ici, Benedict Anderson pour la première, et au célèbre ouvrage « Le Canadien français et son double ». Donc, on va être dans ces thématiques-là. Tout à l'heure, je souriais en mon fort intérieur quand j'entendais François Rocher, nous parler de... Justement, l'idée qu'il y avait derrière son exposé, j'ai fait à peu près le même constat, c'est-à-dire que 150 ans, mais de quoi en fait? Parce qu'en tant que tel, on peut se souvenir que ce 150e-là, l'anniversaire de l'événement, ce fameux 1er juillet-là, il est lié à une décision qui est prise à Londres, donc c'est même pas au Canada en tant que tel. C'est pas lié à quelque chose de marquant non plus pour différents niveaux, au niveau du nationalisme.
Donc, j'ai dit, dans le fond, c'est un jalon de quelque chose de plus important. Alors, reculons, et c'est ce que je vous propose de faire avec moi aujourd'hui. J'espère que ça va fonctionner. Oui, parfait. Alors, allons-y dans l'imaginaire, dans ce qu'on conçoit comme nationalisme, nationaliste sous toutes ses formes. Ici, je vous mets une belle carte, donc, qui date, c'est écrit très petit, je vais le lire avec vous. Donc, territoire ayant été à un moment contrôlé par la France durant la période 1534 à 1803 par la France. Donc, et on voit les villes et on voit les forts. Et malgré tous les petits points que vous pouvez voir, cette carte ne contient qu'une soixantaine de forts, alors que la Nouvelle-France en comptait plus de 150. Donc, pour l'imaginaire que nous partageons ensemble, c'est cette présence en Amérique, c'est cette présence des Français en sol d'Amérique qui commence, bien entendu, je vous ai mis quelques jalons historiques, qui commence, bien entendu, avec Jacques Cartier, mais qui, rapidement, on va avoir l'idée de colon. Et là, on parle de colonialisme tout à l'heure, là, je vais parler de le sens propre de colon, qui est vraiment de fonder un pays, de s'installer en tant que tel, et non pas d'être un colonisateur par-dessus un autre peuple par la suite. Donc, évidemment, ne jamais oublier fondation de Port-Royal en Acadie, fondation de Québec en 1608, le régime seigneurial qui va s'installer dès 1627, et ensuite, tout rentre, fondation de Trois-Rivières, fondation de Ville-Marie, avec toute cette idée, littéralement, hein, on en a très, très peu parlé avec le 375e anniversaire de Montréal, mais toute cette idée de vraiment une mission, hein, il y avait tout le côté religieux derrière, hein, c'est presque occulté présentement dans l'anniversaire. On se demande même d'ailleurs pourquoi Ville-Marie, il n'y a aucune réponse à ces questions dans le 375e anniversaire. Donc, on est là-dedans, on est dans cette façon de voir les choses. Évidemment, l'établissement du gouvernement royal en 1763. Et j'attire votre attention en 1701 sur le traité de la Grande Paix à Montréal, qui correspond également à la fondation de Détroit, parce qu'on continue, hein, les États-Unis vont faire partie de cette grande Amérique française. Et là-dedans, puis j'attire votre attention là-dessus, parce qu'on parle beaucoup, hein, des relations avec les Autochtones, qui ne sont pas toutes conflictuelles, bien au contraire, et à plusieurs égards vont être vues comme des alliés, et même on le reverra plus tard aussi dans la fondation de l'Ouest canadien. Donc, ce qui arrive à ces gens-là, à ces colons-là qui arrivent ici, qui soit ont une sorte de mission éclairée par Dieu, ou soit tout simplement veulent un avenir meilleur dans une nouvelle terre, littéralement, c'est ça, il ne faut pas se le cacher, c'est ça essentiellement. Ce sont des êtres relativement courageux, il fallait l'être pour traverser l'Atlantique en bateau, endurer le voyage, etc. Il fallait peut-être être un petit peu... J'ai presque envie de dire intrépide, littéralement, parce que c'est plus qu'être courageux, c'est être intrépide. Vous connaissez la rigueur de nos hivers. Chaque année, je me demande comment nos ancêtres ont fait pour résister, sincèrement. Et je crois que même dans notre être, on n'est toujours pas si adapté que ça. C'est trop difficile de s'adapter à cette situation-là. Donc, on a tout ça dans notre imaginaire. On a cette façon de concevoir cette Amérique-là qui nous est propre, qui est complètement différente, qui va même être différente pour ceux qui vont être justement nos amis acadiens et qui vont être aussi en ce qui a trait à la Louisiane. J'ai mis en gras, on le voit peut-être un peu moins bien ici à l'écran, les grands jalons qui vont faire en sorte que cette perception-là va changer du tout au tout. Il va y avoir bien sûr le traité d'Utrecht avec l'Acadie qui va devenir britannique et bien sûr la capitulation de Québec et la capitulation de Montréal. La conquête. Pas l'oublier. C'est dur de passer à côté. La guerre de conquête qui va quand même durer donc de 1754 à 1763. On parle évidemment du grand dérangement, donc la déportation des Acadiens, ce qui n'est pas rien. C'est 12 000 sur 18 000 habitants qui vont être déplacés, 8 000 qui vont mourir juste pendant le trajet en tant que tel et qui va conduire par la suite également au traité de Paris. C'est une cassure très difficile à vivre. Pour les Acadiens, c'est quelque chose de terrible. Ceux qui pourront revenir, on le sait, reviendront littéralement par la bande, hein, en cachette, en catimini, pour essayer de reprendre une sorte de possession du sol, mais qui ne sera pas une possession politique véritable. Donc, c'est très récent, le statut des Acadiens, comme avoir vraiment une façon de reprendre contrôle sur leur avenir. Et ce qui m'amène à la définition même du nationalisme canadien,
Je vous rappelle, hein, vous le savez tous, bien sûr, mais le mot « canadien » qui décrivait, bien sûr, ces gens de la Nouvelle-France, ces gens qui n'étaient déjà plus français, qui déjà s'étaient appropriés ce territoire, déjà étaient nés en sol d'Amérique, avaient carrément une nouvelle identité. Donc, ces Canadiens-là qui sont les francophones de l'époque. D'ailleurs, on le voit moins bien à cause de l'iconographie en haut, mais j'ai le drapeau de la marine marchande sous François Ier, donc sous la Nouvelle-France, et bien entendu, le drapeau britannique. Et cette façon de se concevoir-là comme habitant en sol d'Amérique, c'est déjà une identité qui est profonde. Et c'est une identité qui est différente de celle qu'on va appeler les Anglais, qui sont les anglophones, qui n'ont pas cette appellation-là de Canadiens. Ils se sentent britanniques d'abord et avant tout. Et cette identité-là, elle est fondamentale parce que c'est elle qui va perdurer presque jusqu'en 1965, en fait. Donc, c'est très fort, c'est très prégnant parce qu'on a un groupe qui est déjà en train de s'enraciner. On a un second groupe qui est en train de s'enraciner, mais avec une mentalité différente. Donc, une mentalité, oui, on est sur un nouveau sol, mais en même temps, on est fidèle à la couronne britannique. Et il ne faut pas oublier aussi la communauté anglophone qui va être bien marquée par le fait de l'arrivée des loyalistes. Souvenons-nous de ce que sont les loyalistes. Ils sont fidèles à la couronne, essentiellement. Ce sont des Britanniques, purs et durs. Ils préfèrent quitter les États-Unis et la Révolution pour rester fidèles à la couronne. Donc, en tant que tel, ça modèle, on est encore une fois dans l'imaginaire, mais ça modèle cette façon de voir les choses. Donc, pour l'image, j'ai oublié de vous dire, donc ça, c'est l'habitation de Samuel de Champlain. C'est vraiment cette idée-là de possession du territoire. Je fais souvent la blague avec la chanson des Cowboys fringants, vous savez, mon arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. On est vraiment dans cette idée-là. Donc, c'est... Mes aïeux, pardon. Oui, et donc, on est vraiment dans cette idée-là d'appropriation du territoire à la sueur de son front. Il n'y a pas de... Ce n'est pas une conquête glorieuse en tant que telle, c'est vraiment à la sueur de son front, on va réussir, et c'est petit à petit que les choses se font. Donc, c'est très particulier. Et ce que va apporter la conquête en tant que telle, bien, vous le savez, c'est bien entendu l'élite, hein, une grande partie de l'élite qui va quitter, pour différentes raisons, bien sûr, parce qu'elle n'a plus lieu d'être en sol d'Amérique, mais également parce qu'on a une nouvelle élite qui arrive, donc une élite anglophone. Et ça aussi va faire en sorte que de penser petit également, de penser en termes de territoire, d'agriculture, ça ne sera pas étranger non plus, vu que nos ponts sont coupés justement avec la France, que le commerce qu'on va faire dorénavant, ce sera avec les anglophones, ça vient changer complètement la dynamique. Donc, encore une fois, pour l'imaginaire, c'est un coup assez difficile à vivre. Je vous rappelle le contexte mouvementé. Je ne passerai pas toutes les dates parce qu'on a beaucoup parlé de beaucoup d'événements là-dedans, entre autres la rébellion des Patriotes, le rapport Durham. On a tout parlé de ça tout à l'heure. Juste rappeler aussi la guerre de sécession. On en avait peu parlé jusqu'à maintenant. Et je fais exprès de l'appeler British North America Act parce que, comme on sait, une partie des textes ne sont toujours pas disponibles en français de nos jours. C'est une aberration. Mais essentiellement, on parle de quoi? On parle de continentalisme économique. On parle des canaux et des chemins de fer pour rallier la Colombie-Britannique au projet. Donc, ce projet ne concerne pas du tout la base, ne concerne pas la majorité des gens. C'est même pas dans leur intérêt, c'est même pas dans le monde dans lequel ils sont en train de vivre à ce moment-là. Donc, il y a vraiment une cassure, même on pourrait dire une césure qui se fait entre les deux. Donc, c'est un projet qui est complètement en dehors de l'imaginaire donc national de ce groupe-là de Canadiens français, si on peut les appeler encore comme ça, parce que l'appellation va arriver plus tard. Évidemment, on en a beaucoup parlé, donc le nationalisme républicain, et ça, c'est intéressant parce que, vous savez, le nationalisme qu'on peut appeler québécois aujourd'hui, ce nationalisme-là, essentiellement, il va avoir eu des étapes. Et dans son histoire, il va avoir des étapes où il est plus conservateur. C'est un peu « sauvons les meubles », essentiellement, c'est ça. On n'a pas grand-chose, mais ça, au moins, on va le conserver.
Et on arrive dans cette époque-là du nationalisme républicain où, attention, on peut faire quelque chose et on peut ressortir. Et là, ça devient un nationalisme beaucoup plus progressiste, qui va être vraiment associé à ça, qui va être associé, bien entendu, au républicanisme, mais qui va être aussi lié à une certaine forme d'émancipation également. Et ça, encore une fois, pour cette façon de se percevoir-là, c'est comme si on peut recommencer à penser à reprendre les rênes du pouvoir, à reprendre possession de ce qu'on était. Et ça, c'est vraiment dans l'émancipation que c'est vu. On sait tous qu'après le... Je vais reculer. Après le mouvement patriote, on va ressentir un ressac très important. J'y reviendrai dans un instant. Un petit mot sur l'impérialisme britannique. Ici, on a plus ou moins un des drapeaux là, qui va être le drapeau canadien, parce qu'il va en avoir plusieurs, là, dépendamment de le mon Dieu, j'ai oublié le nom, là, l'emblème à côté, comment ça va? Merci. Donc, impérialisme britannique. Impérialisme britannique qui, pour cet imaginaire national des Canadiens anglais, si on peut les appeler comme ça, donc essentiellement, ils sont britanniques, ils ont ça, on parlait tout à l'heure d'empire, donc ils représentent cet empire britannique-là en tant que tel, et cette vision des choses-là va arriver et va se choquer littéralement avec les perceptions, entre autres, bien entendu, des métis. Je vous rappelle le cas des métis, donc Louis Riel, les rébellions qui auront lieu à la Rivière-Rouge et la guerre à Batoche, donc 1869 et 1910 à 1885. Qu'est-ce que c'est essentiellement? Ce sont, on peut dire, un mélange de francophones, d'autochtones, essentiellement qui, pour plusieurs, vont être de religion catholique et qui ont... choc complet, vont avoir l'idée complètement saugrenue de vouloir faire une autre province francophone au Canada. Donc, vous comprenez ici, c'est un choc des titans. Écoutez, ça ne se peut pas se faire selon les dogmes de l'impérialisme britannique de l'époque. Pourquoi? Parce qu'on le voit ici, on est tous dans la période, ici, Rudyard Kipling avec le fardeau de l'homme blanc, on est dans cette idée-là que la mission civilisatrice, alors on en a parlé tout à l'heure avec Lord Durham, la mission civilisatrice de l'homme blanc est littéralement d'amener les peuples autochtones, et dans ce cas-ci, c'est même les francophones, à devenir un homme blanc protestant. Donc, c'est le summum de la hiérarchie de la civilisation, c'est ça. Donc, vous vous imaginez... Pour eux, c'est le comble, une nouvelle province francophone, catholique et à moitié autochtone. C'est trop. C'est absolument trop. Donc, pour l'imaginaire des gens de l'époque, pour d'ailleurs, quand on aura la pendaison de Louis Riel, on va avoir Honoré Mercier qui dira « Louis Riel, notre frère est mort ». Donc, on voit ici, Canadiens, Français, pour ça, il faut faire attention. Ah oui, les Autochtones, dans ce cas-ci, on les voit comme des alliés, comme faisant partie de notre groupe. Pourquoi? Parce que dans ce cas-ci, ils sont littéralement intégrés avec des Canadiens français. Donc, pour eux, métis, Canadiens français, c'est à peu près la même chose. Ils sont frères, littéralement. Donc, on a cette idée-là. On sait ce qui arrivera, évidemment, dans le cas de Manitoba, qui, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une province francophone. Donc, donc, il y aura plusieurs éléments de cet impérialisme-là qui forgera l'identité canadienne anglaise de l'époque. Donc, je parlais, évidemment... Rudyard Kipling, mais on arrivera à tous les autres événements, on en parle peu, mais toutes les crises de la conscription, etc., où on voit encore une fois cette vision des anglophones qui veut porter secours aux Britanniques, dont d'ailleurs la guerre des Bourgs sera tout un élément déclencheur pour la suite, où on ne se sent pas du tout du côté canadien-français interpellé par ça. Pour eux, pour l'époque, c'est une autre guerre, c'est un autre empire, on ne se sent pas concerné. Alors, pour les Canadiens anglais, ça fait partie de leur identité. Donc, deux imaginaires complètement différents. Oui, il ne faudrait pas que j'oublie le discours d'Henri Bourassa. Je pense que je vais vous en reparler dans la prochaine vignette, oui. Le discours d'Henri Bourassa sera d'ailleurs ici. Ben, je vous ai expliqué la vignette. Donc, ici, on parle du nationalisme clérical. On ne le voit pas bien en haut. Donc, ici, vous reconnaissez le drapeau de Carillon, hein, Sacré-Cœur du Carillon. Donc, il peut représenter, si on peut dire, cette période-là. Donc, elle correspond à ce qu'on peut appeler le ressac après les patriotes.
On avait une période républicaniste très importante, hein, vraiment de progressisme, d'émancipation. Là, ici, c'est un ressac. C'est un repli sur les terres, littéralement. Donc, un repli qui se fait. Donc, ça devient un nationalisme beaucoup plus conservateur. Et on va même l'appeler le clérico-nationalisme. Clérico-nationalisme, pourquoi? Bien sûr, c'est parce que l'Église va prendre beaucoup plus d'importance durant cette période-là. On va parler de la revanche des berceaux, hein, ce qui va faire en sorte, entre autres, que les Québécois vont se multiplier. Et également, figure de proue de cette période-là, évidemment, Henri Bourassa, qui dira « la foi gardienne de la langue ». Excusez-moi, le « 2 », c'est caché derrière la photo. Donc, et qui sera repris beaucoup plus tard par, quelques années plus tard, par Lionel Groulx en disant le contraire, c'est-à-dire, et c'est bon parce que c'est un ecclésiastique qui dira le contraire, que donc c'est la langue gardienne de la foi. Donc, à quoi ça fait référence? C'est évidemment à ce fameux discours qu'a fait Henri Bourassa, où le légat du pape était venu dire à Montréal, mais essentiellement c'était à toute l'Église du Québec et du reste du Canada, bien sûr, que essentiellement à l'avenir, si on veut préserver la foi catholique romaine, il faudra dorénavant que ça se passe en anglais. Donc, c'est plus logique, ça va être plus facile de faire des liens, des ponts avec les Irlandais aux États-Unis, etc. Donc, dorénavant, ça va se passer. Lui, il a décidé ça. Donc, il vient dire ça essentiellement. Alors, vous comprendrez, Henri Bourassa, qui était lui-même très croyant, est arrivé à laisser tomber le discours qu'il avait préparé pour faire justement un discours qui restera célèbre par la suite, où justement il a défendu corps et âme, c'est le cas de le dire, le fait français en disant « non, désolé, c'est justement à travers le français que cette foi catholique-là pourra se préserver, puis hors de question de passer ça en parlant de la civilisation française, etc. » Donc, vous voyez, et d'ailleurs, la foule, les gens qui étaient réunis dans la cathédrale, ils ont tous applaudi. Alors, c'est très intéressant parce qu'on, des fois, on voit les ecclésiastiques comme des gens qui, des fois, ne prendront pas la parole ou vont vraiment s'asseoir à cette idée-là que, justement, le clergé ça est toujours... pas du tout dans ce cas-ci. Ils étaient bien contents d'applaudir. Là, on peut faire la différence entre le haut clergé et le bas clergé aussi dans cette façon de voir les choses. Et très important aussi, le ressac après les patriotes. Ah oui, l'image, je ne vous l'ai pas dit. C'est Jean-Paul Lemieux, donc une procession de la fête Dieu, là. C'est une image célèbre. Donc, on est un petit peu là-dedans. Donc, le recours à la foi comme vraiment ciment de vraiment de l'adhésion sociale, littéralement. Donc, l'intégration se fait par ça. C'est le ciment, littéralement. On se replie d'une certaine manière là-dessus pour pouvoir survivre. Qui nous amène à notre autre époque, le nationalisme québécois, où là, hein, je vous ai parlé progressisme, conservatisme, on retourne à un nouveau jalon, beaucoup plus progressiste et même une coupure directe. Pourquoi? Parce que cette identité de Canadien-Français-là va se modifier pour devenir l'identité de Québécois. Et ça ne se fera pas nécessairement sans heurts. Il va y avoir évidemment tout le courant d'affirmation nationale qui va se faire dès le début des années 60. Puis j'ai mis les années 60, mais ça aurait pu être fin des années 50, en fait. Donc, ce courant d'affirmation nationale, donc maître chez nous, qui va amener plus tard à la nationalisation de l'électricité. Mais essentiellement, et je veux vraiment attirer votre attention là-dessus, c'est le constat que, notamment, a permis la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, qu'on appelle la commission Laurando-Dunton. D'ailleurs, ça va être assez long, hein? C'est de 1963, ils vont avoir un rapport préliminaire et le rapport final en 69. Mais malgré tout, dès le rapport préliminaire, on pourra constater que les Canadiens français sont vraiment, au point de vue socio-économique, dans les plus bas. On a les Canadiens français, on a les Italo-Canadiens et on a les Autochtones. Hein? C'est au bas de la file, à tous les points de vue. Donc, ils ne sont pas dans les élites économiques d'aucune manière. Le statut, le revenu, c'est autre chose. Et donc, cette impression-là d'être littéralement des citoyens de seconde classe deviendra très prégnante. Et ce constat-là, que même un ouvrage célèbre a appelé « Les nègres blancs d'Amérique hein? », donc cette idée-là d'être des citoyens de seconde classe prendra beaucoup d'ampleur durant cette période. Ça va nous amener, entre autres, cette idée de libération du colonialisme. Hein? On va commencer à parler de ça de manière plus prégnante, évidemment, entre autres, par le biais du RIN, donc le parti RIN. Mais à différents niveaux, ça va être vraiment cette cassure qui va se faire. Cassure qui va être accélérée par les États généraux du Canada français qui auront lieu. Là, ça va être sur trois événements différents. Mais essentiellement, où
par souci d'émancipation, les Canadiens français, pour se vouloir être un nouvel homme, si on peut dire, vont utiliser le vocable de Québécois plutôt que de Canadiens français. Et ce que ça va faire en sorte, entre autres, ce qui est bien malheureux, bien sûr, c'est que ça va les couper également des Franco-Ontariens, qui d'ailleurs, durant une période par la suite, vont d'ailleurs s'appeler Ontarois, et bien entendu, les Acadiens, etc., et donc le reste des francophones en terre d'Amérique. Donc, de prendre l'État du Québec qui vient d'avoir toutes ces nouvelles, vous savez, avec la Révolution tranquille, on parle vraiment de se prendre en main, ce sont les leviers économiques qu'on commence à reprendre littéralement. Donc, cette prospérité-là, cette façon très progressiste de voir les choses, va faire en sorte qu'il y a une émancipation réelle qui est en train de se faire, et on va la vouloir également politique. Et donc, cet État du Québec-là va faire en sorte que, justement, l'appellation de Canadien-Français ne fera plus de sens si on veut s'émanciper, parce que, justement, elle correspond au territoire sur lequel on a un peu de mainmise. Donc, on a un peu de pouvoir sur ce Québec-là, sur cet État du Québec-là. Donc, la définition va se faire avec ça. Donc, ça veut dire aussi presque un abandon, entre guillemets, des autres francophones au Canada. Donc, ça va être quelque chose de vécu assez durement de ce côté-là. Bien entendu, cette vision des choses-là va être portée par plusieurs acteurs. Un qui sera évidemment un des plus marquants, c'est celui que vous voyez, bien sûr, René Lévesque. Et d'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire un mot sur le drapeau du Québec. Il apparaît un peu tardivement, mais bien entendu, on sait que c'est sous le règne de Duplessis qu'il était apparu. Donc, la création du mouvement Souveraineté Association par René Lévesque, qui deviendra par la suite le PQ. Et très important dans nos jalons d'histoire, c'est la fameuse crise d'octobre de 1970 avec le FLQ. Donc, ça va ici, c'est difficile à expliquer en termes d'imaginaire, mais ça va faire un problème très grave au sein du mouvement souverainiste. Dans quel sens où, le mouvement, d'ailleurs c'est très particulier parce que, dans le cas de René Lévesque, il va réussir un pari presque incroyable de rallier des gens vraiment de gauche et de droite avec le Parti québécois à l'époque. Donc, on a le RN qui va se saborder pour faire partie du Parti québécois. Et on a également, je pense que c'était Ralliement national, etc., même des gens de l'Union nationale qui vont embarquer là-dedans. Donc, on a vraiment, c'est presque arc-en-ciel, là. On a toute cette mouvance-là qui vont se sentir réconfortés par la figure de René Lévesque. Et là, on va avoir le mouvement du FLQ qui va arriver. Le mouvement du FLQ qui est beaucoup dans cette logique de libération du colonialisme. Si c'est quelque chose qui est quand même envisagé par une bonne partie de la population, qui a une forme de colonialisme, etc., et qui a une émancipation à la fois politique, sociale et économique qui doit se faire, pour plusieurs, le nationalisme conservateur n'est pas si loin. Donc, on n'est pas nécessairement rendu encore là. Donc, il y a un peu deux imaginaires qui s'entrechoquent ici. Donc, il y a celui, justement, beaucoup plus progressiste, et on a celui-là, plus conservateur, qui craint de déranger, qui craint les représailles très importantes. Donc, d'ailleurs, on n'a pas à s'inquiéter sur si la loi des mesures de guerre a été bien vécue ou pas. On le sait, ça a été un vrai traumatisme qui a été vécu à cet égard. Oui, parfait, très bien. Donc, je passe rapidement parce que nous connaissons tous cette histoire, elle est plus récente. Donc, l'élection du Parti québécois en 1976 va venir affirmer de manière politique donc l'existence du mouvement souverainiste qui se veut justement une de ces formes du nationalisme-là, mais de façon plus émancipatrice, et plusieurs mesures qui seront prises par ce gouvernement-là, entre autres, mais qui va nous mener au référendum de 80. Référendum de 80 qui, en tant que défaite pour le mouvement souverainiste, viendra encore une fois briser cette espèce d'élan là qu'on va avoir de la souveraineté, mais surtout du mouvement nationaliste. Donc ici, vous savez, je vous disais tout à l'heure, on a un mouvement conservateur, ça c'est progressiste, puis là ça revient comme ça, c'est comme une vague. Et là, on va se chercher un petit peu pendant une certaine période. Pourquoi? Parce que durant la même période, on a un autre mouvement nationaliste qui commence. Je vous avais beaucoup parlé de l'impérialisme britannique qui caractérisait nos amis anglophones. Alors ici, le nationalisme canadien devient de plus en plus prégnant, entre autres avec l'adoption de l'unifolié, donc en 1965. Qui, littéralement, va devenir un nouveau nationalisme. Donc, on s'est en train de sortir de cet impérialisme britannique-là pour lui donner une toute autre approche. Souvenons-nous
À l'époque, l'adoption du drapeau, je pense que c'était John Diefenbaker qui pleurait puis qui déchirait sa chemise, que ça n'avait pas de bon sens de laisser tomber le drapeau britannique. Donc, évidemment, ça ne se fait pas sans heurts en tant que tel, mais de plus en plus, on va passer vers ça. Il va y avoir un mouvement, si on peut dire, de, littéralement de nation building, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous l'ai mis en gras, qui va se faire à partir de cette période-là. Donc, ce n'est pas innocent qu'on ait la photo de Pierre-Éliott Trudeau, parce que même Sue Pearson, hein, je vous rappelle, qui fera partie du gouvernement assez rapidement. Un petit mot sur, peut-être peu d'entre nous connaissons l'ouvrage « Lament for a Nation » de George Grant, qui est pourtant un des ouvrages qu'on peut citer comme, j'ai envie de dire, ciment du nationalisme canadien, et qui est une façon beaucoup plus conservatrice de voir le nationalisme canadien. Donc, c'est un peu un pont, si on peut dire, entre cet impérialisme britannique-là et une nouvelle façon de penser le Canada. Mais assez rapidement, ça va passer sous silence. Toutes ces idées-là vont prendre le bord. Pourquoi? Parce qu'on a des idées de Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, qui vont arriver. Et vous savez, évidemment, tout le monde connaît les idées de Trudeau. C'est essentiellement une forme très utopique, hein, de voir, de concevoir le Canada. Et dans ce cas-ci, par exemple, il va répondre à la commission Laurent Dunton en expliquant à quel point le bilinguisme est important, le bilinguisme et le biculturalisme. Mais en même temps, donc en même temps qu'il veut qu'il y ait une émancipation qui se fasse pour les francophones et pour les anglophones, et qu'un francophone se sente à l'aise partout au Canada. Donc, essentiellement, c'est sa réponse en instituant, entre autres, le bilinguisme officiel. Mais il y a toute l'idée de la Charte des droits et le multiculturalisme qui va rentrer avec ça. Et là, ça vient complètement déconstruire le mythe, si on peut dire, parce que les gens qui se concevaient en tant que deux peuples fondateurs, etc., là, ça vient de tomber. Bilinguisme, oui, mais en parole seulement, en acte en tant que tel. Donc, comme on en a parlé beaucoup dans les derniers jours, cette idée-là que c'est pas plurinational, la Constitution, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans cette idée que, oh, faut accorder des droits aux minorités, etc. Et là, le Québec devient, dans l'imaginaire, encore une fois, nationaliste, un peu à part. C'est-à-dire que là, ils se disent, oui, nous, on a notre propre perception des choses qui ne rentre pas dans cette Constitution-là. Donc, il faudrait faire quelque chose pour l'affirmation nationale. Oui, le référendum de 80 n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on peut avoir un entre les deux? Évidemment, Trudeau, souvenez-vous, avait dit qu'ils mettaient leur tête, hein, leur siège en jeu pour pouvoir apporter du changement et donc pour que les Québécois se sentent inclus. Mais malheureusement, comme on le sait, le rapatriement de la Constitution ne va pas amener ça du tout. Et en fait, ce que ça va apporter, c'est cette nouvelle mouture de néocolonialisme, littéralement, parce qu'on garde la monarchie, etc., qui est juste une version bis avec la Confédération, va faire en sorte que cette césure-là va être saisie dans tout son sens par plusieurs politiciens qui vont trouver que c'est un camouflet, c'est très grave en tant que tel. Et on aura bien entendu, entre autres, Brian Mulroney qui essaiera de faire l'accord du lac Meech, et par la suite, on essaiera un peu d'inclure le peuple, entre guillemets, avec le référendum de Charlottetown, qui sont deux échecs. Dans ce cas-ci, c'est presque cuisant. Pourquoi? Parce que pour, encore une fois, dans la façon de se percevoir, pour les Québécois, l'accord du lac Meech n'était pas suffisant pour la reconnaissance qu'ils cherchaient, et pour le Canada anglais, c'était trop. Dans le cas de Charlottetown, tout le monde trouvait ça nul. C'est assez particulier. Donc, c'est un drôle de rapport ici qui se fait, où, vous savez, l'expression « les deux solitudes », là, on est à peu près dans cette période-là pour cette façon de percevoir-là. On parlait de « nation building » tout à l'heure. De ce dont on va parler suite au référendum de 95, dans justement ce nationalisme canadien qui est toujours en train de se construire. On va parler, bien entendu, du scandale des commandites. Scandale des commandites, vous vous souvenez un petit peu ce que c'était, hein? C'était de nous vendre des symboles et des publicités du Canada tout le temps. Des petits drapeaux unifoliés, hein, pour imprégner les gens de cette identité-là. Puis quand vous voyez les Jeux olympiques avec les logos, hein, puis les costumes et tout, là, puis hein, c'est des mois auparavant, etc., on nous imprègne de ces symboles-là. C'est du nation building. J'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre en tant que telle. Le scandale des commandites, ça, c'était peut-être de moins de bonne guerre. Et donc, pourquoi 96 à 2006? Bien, on a compris qu'avec le référendum de 95, ils ont eu chaud, littéralement. Ils se sont dit, oh là là, je pense qu'on n'a rien compris. Et comment on va les faire adhérer à nous? Bien, eux se sont dit que c'était avec les symboles. Est-ce qu'ils avaient raison ou pas? L'avenir le dira.
Je vous avais parlé de George Grant avec sa façon plus conservatrice de penser ce nationalisme canadien-là. On va avoir Harper qui va revenir un petit peu également, qui sous son règne, c'est le cas de le dire, va justement ramener des symboles monarchiques, hein, littéralement, des tableaux représentant la reine, hein, l'armée va devenir de sa majesté, etc. Donc, on revient beaucoup dans ces symboles-là. Nationalisme québécois durant cette période-là, qu'est-ce qui arrive depuis 1982? Écoutez, c'est difficile de lui donner un nom, sinon nationalisme contemporain, parce qu'il nous est contemporain. Ce qui va beaucoup le marquer, évidemment, c'est la montée du Québec Inc., donc l'entrepreneuriat. On avait réussi à avoir des leviers économiques au point de vue étatique dans les années 60. Dans les années 80, ça va être l'individualisme, hein, qui règne un peu partout en Occident. Bien, ça va être le cas aussi au Québec, mais ici avec la prise en main littéralement et ce qu'on appelle des self-made men là, qui vont se faire durant cette période-là, qui vont donner une certaine perception des choses que, justement, le Québec n'est, somme toute, peut-être pas si perdant que ça, vu qu'on réussit malgré tout, hein, réussit dans le sens de réussite économique. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, évidemment, l'échec de l'accord du Lac-Meech, qui sera suivi tout de suite par la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, la fameuse commission Bélanger-Campeau, qui, évidemment, il y a l'épisode de Charlottetown qu'on avait vu tout à l'heure, et qui va nous mener au référendum de 95. Cette période-là, de 90 jusqu'à 95, va être liée vraiment à une effervescence du nationalisme québécois, mais une effervescence différente, qui ne correspond pas nécessairement à celle qu'on avait connue dans les années 60 jusqu'à 80, qui a déjà une nouvelle mouture, peut-être aussi un changement générationnel qui se fait durant cette période-là, et qui va être beaucoup lié aux questions qui commencent déjà, entre autres, d'interculturalisme. D'ailleurs, ce ne sera pas pour rien que, justement, la figure de proue du référendum de 95, Jacques Parizeau ici, c'est pas pour rien que ça va être difficile de vivre avec sa fameuse déclaration malheureuse, c'est parce que, justement, on est en plein interculturalisme, donc on est en train de se redéfinir et on essaie de montrer que les Québécois, donc dans ceci les Canadiens français, ne sont plus Canadiens français, sont bien Québécois, ils sont ouverts, etc. Et là, il y a comme un choc qui est en train de se faire au niveau de cette définition même de l'interculturalisme. Sauf qu'on n'y échappe pas, on a la défaite de 80, on a la défaite de 95. Inutile de vous dire, c'est un double défaite dans ce cas-ci qui est très, très, très difficile à porter et qui nous amène à une période bien différente de ce que j'appelle le nationalisme canadien 2.0. Donc, donc pendant que c'est très marquant, puis il ne faut pas oublier de le rappeler, depuis 1995, le discours souverainiste est très peu présent sur les tribunes publiques. Très, très peu présent. À ce point que la nouvelle génération a de la difficulté à même avoir des points de repère, ne sait pas vraiment la substance du discours souverainiste. Donc, c'est assez particulier. Mais pendant ce temps-là, notre nationaliste canadien, lui, a pris de l'ampleur à tel point que, je ne sais pas si vous vous souvenez de la génération Trudeau, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce concept-là, de la génération Trudeau, donc c'était les gens, puis le fils Trudeau, évidemment, est le meilleur symbole de la génération Trudeau. Donc, ce sont ses enfants qui allaient des fois dans des classes d'immersion en français, et pour qui le bilinguisme était très important, et qui se voulaient les porteurs, les ambassadeurs, si on veut, donc, de ce Canada multiculturaliste. Donc, essentiellement, c'était ça. Alors, la génération Trudeau, comme on l'appelait à l'époque, bien, on ne peut pas avoir mieux que le fils Trudeau lui-même pour la représenter. Donc, il la représente très bien. Qu'est-ce qu'on a vu durant cette période-là qui est difficile à dater parce qu'elle est en même temps que le nationalisme québécois qui est en train de se re-questionner? On a la Charte des droits et libertés qui va prendre beaucoup d'importance sur la façon de penser. Hein, ce n'est pas anodin ici au niveau de la façon de se percevoir. Le Québec devient littéralement, comme le sont les autres francophones hors Québec, ce sont des minorités qui doivent se battre pour des droits. Donc, on est autre chose. C'est une minorité, comme les homosexuels sont une minorité, etc. Donc, la conception se fait complètement différente. Donc, il faut se penser en termes de groupe commun et là-dedans, on a comme des droits individuels. Ça change complètement la donne. D'ailleurs, certains auteurs, comme Éric Bédard, parlaient même de la trudeauisation des esprits, en parlant que même le mouvement souverainiste, souvent, se pensait selon les termes de Trudeau père, bien sûr. Donc, on a droit au multiculturalisme 2.0 lui aussi. Pourquoi 2.0? C'est que dans le cas de Trudeau père, on avait l'idée de bilinguisme qui était important, puis il y avait vraiment l'émancipation des francophones et des anglophones. Ici, on oublie ça. Ce sont une multitude de groupes, essentiellement, dont on souhaite l'émancipation, mais dans le respect de leur folklore, entre guillemets. Et on est là-dedans aussi avec
M. Justin Trudeau qui, littéralement, se costume, hein, se déguise quand tu vas voir les groupes au sein du Canada. Donc, c'est très particulier parce que c'est un rapport vraiment au point de vue plus individualiste, au point de communauté très différente. Et on garde leurs éléments de folklore, mais tout le monde est comme heureux et uni là-dedans au Canada. Je ne sais pas si ça vous fait penser à la publicité « I'd like to buy the world a Coke ». Oui, hein, tout le monde qui chante, là, donc, hein, puis tous les gens ont un costume différent. On est tous unis, tous heureux. On est justement dans cette utopie-là. Donc, pour conclure là-dessus, nationalisme canadien qui ressort de manière très forte sous une nouvelle mouture, mais dont l'histoire est absolument absente. Parce que dans, vous voyez, le logo du 150e, on retrouve l'idée du multiculturalisme avec toutes les couleurs, bien sûr, le rouge prédominant dans le sens de Canada. Mais on n'a pas du tout d'assises historiques pour l'expliquer. Écoutez, la ministre du patrimoine, on s'entend patrimoine, on pense à histoire, nous parle dans sa présentation des célébrations du 150e de Johnny McDonald comme étant justement un apôtre de la diversité du multiculturalisme. Si la ministre du patrimoine le dit, on comprend qu'on est dans l'absence d'histoire, littéralement. Alors, un des participants disait, est-ce que c'est normal qu'il y ait autant... qu'il n'y ait vraiment plus d'histoire politique, on peut se poser cette question-là. Et peut-être, ironie de l'histoire, vous savez où Justin Trudeau, dans quelle circonscription il est? La circonscription Papineau. Alors, tout est dit, je pense que c'est ce qui va conclure pour ça. Merci. Alors, merci Catherine pour ce tour d'horizon très détaillé de notre histoire politique. Alors, je pense qu'on va prendre des questions immédiatement. Donc, Olivier Pilon, je suis étudiant à la maîtrise ici à l'UQAM. Ma première question, c'est pour M. Chevrier. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de difficultés à définir la famille, la métropole britannique. Est-ce qu'on peut dire que, oui, c'est un empire, une colonie? Est-ce qu'on peut la définir en tant que famille royale? Couronne britannique ou tout simplement monarchie britannique. Donc, j'ai l'impression que, comme on a beaucoup de difficultés à définir notre mère patrie. Merci. Est-ce qu'on prend d'autres questions ou je réponds tout de suite? Étant donné qu'il n'y a personne au micro, bon. Tu pourrais faire une brève réponse. Je pense que effectivement, c'est un beau sujet. Le Royaume-Uni est difficile à définir. Il se dérobe aux définitions très carrées qu'on aime beaucoup dans le monde latin. Surtout quand on a un esprit juridique formé au droit civil, on aime bien les définitions carrées. Et le monde du Royaume-Uni se dérobe à ces définitions. Et souvent, les Britanniques eux-mêmes ne cherchent pas à se définir de façon claire et définitive. Alors, quand on envisage une entité aussi vaste que le Royaume-Uni, on peut avoir plusieurs, je dirais, grilles d'analyse. La première grille, c'est de quelle forme politique s'agit-il? Et quand j'emploie le mot « forme politique », je renvoie à une théorie très, très, très précise que Pierre Manant en France a développé brillamment, mais d'autres auteurs font à peu près la même chose. C'est-à-dire, au fond, il y a des formes fondamentales d'associations humaines et sont dans un nombre limité. Il n'y en a pas 237. Pour Manant, elles sont très limitées dans l'histoire européenne. Et l'Europe a tenté de les exporter à l'extérieur. Donc, c'est l'Empire, la cité, l'État-nation. Et dans le cas de Manant, il ajoute même l'Église. Pour lui, l'Église a été une forme politique du moins pendant au moins 1000 ans en Europe. Alors, c'est un nombre limité. Alors, quand on se pose cette question-là, on ne se pose pas la question qui gouverne. On essaie de définir le type d'association humaine à l'intérieur de laquelle on aura effectivement un type de gouvernement. Donc, si on prend cette première grille, et on applique ça au Royaume-Uni, c'est pas une cité, ce n'est pas une église, même s'il y a un rapport entre le pouvoir et la religion. Est-ce un État? Sans doute pas si vous le définissez à la française. Ce n'est pas un État-nation dans le Royaume-Uni.
Et même des grands auteurs comme Skinner, un grand historien des idées, a écrit un article il y a quelques années, publié dans une revue savante. Il posait d'ailleurs la question. Il disait le concept d'État-nation s'applique mal au Royaume-Uni. Et vous remarquez d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de juristes ici, lisez attentivement les juristes britanniques dans leur prose, ils n'ont pas besoin du concept d'État. Très peu de juristes britanniques utilisent le concept d'État. Il y a même un auteur qui a dit que c'est inutile. Ils n'ont pas besoin du concept d'État pour penser le pouvoir, pour penser le corps politique, pour penser le type d'association humaine. C'est quand même lourd de conséquences. Mais si je reviens à la première grille d'analyse, ce n'est pas une cité, ce n'est pas tout à fait une religion comme le christianisme. Je ne crois pas que ce soit un État-nation. Qu'est-ce qui reste? C'est l'Empire. L'autre grille d'analyse, c'est celle qui gouverne. Alors, dans ce cas-là, on connaît les concepts. C'est soit une démocratie élective avec des représentants. Ça peut être une monarchie. Bon, les monarchies absolues qui gouvernent beaucoup, il y en a encore à travers le monde. Il suffit d'aller en Arabie Saoudite ou au Maroc. Mais celle qu'on connaît en Occident, l'Occident libéral, les monarchies sont devenues constitutionnelles. Elles ont quand même un rôle symbolique important. Elles servent souvent de facteurs d'unité nationale. Et souvent, les monarchies, en étant neutralisées à travers le temps, ont quand même laissé des outils, des manières de gouverner qui sont quand même restées monarchiques. Du moins, c'est ma thèse. Alors, si vous prenez l'autre grille d'analyse, bon, le Royaume-Uni, c'est oui, une monarchie constitutionnelle avec une évolution démocratique particulière. Et l'autre question qu'on peut se poser, là, c'est encore plus complexe, le Royaume-Uni est dans l'Europe. Alors, beaucoup de questions, une des questions que les gens se posent, qu'est-ce que l'Europe? Alors, je vous épargne les discussions savantes sur l'Europe, mais plusieurs pensent que c'est un empire. OK. On va y aller avec... il y a un monsieur qui a une question. Alors, Pierre Lacotte-Noir, moi, c'est sur les questions d'identité, de nationalisme. J'ai bien apprécié votre présentation, ça fait un tour d'horizon. Mais en fait, on a des identités multiples, et je ne veux pas paraphraser Benoît Pelletier qui disait qu'il y avait une identité canadienne et québécoise, mais c'est le propre de bien des gens. Il y avait un monsieur célèbre qui avait fait son chemin de Damas, qui se voyait comme un citoyen romain, qui parlait grec et puis qui était juif. Fait que les identités sont multiples et ça nous habite, ça aussi, enfin, ça habite nos collectivités, surtout que les symboles empruntés par les descendants des Britanniques, ce sont tous des symboles qui proviennent en bonne partie des Canadiens français, à partir de la feuille d'érable jusqu'à l'hymne national. Je me suis fait dire à Toronto pourquoi on avait changé parole de l'hymne national en français. Je trouvais ça tout à fait éclairant de ce bit-là. Mais en plus de ça, il y a d'autres identités qui s'ajoutent, et qui s'ajoutent maintenant, vous parliez du 2.0, j'appellerais plus l'identité Internet de la mondialisation, et je me raccroche à ces idées d'empire-là. Vous avez dit finalement qu'on n'est qu'une espèce de petit poisson qui accompagne le squale américain dans le véritable empire, qui est un empire qui est en train de se mondialiser. Fait que, d'une certaine manière... Notre identité, chez les plus jeunes surtout, avec l'arrivée de médias sociaux, avec l'arrivée d'une individualisation qui correspond jusqu'à un certain point à cette forme dénaturée où on est tous devenus ce que Margaret Thatcher appelait un agrégat d'individus, des consommateurs. Alors, c'est pas ça qui est en train de percoler au-delà même de notre problématique canadienne, cette idée-là qu'il y a une espèce d'affaiblissement. Regardez les Français qui arrivent ici, qui se pètent à l'anglais comme s'ils devenaient de quoi américains. Ça donne un esprit qui est fort différent et qui nous amène un peu plus loin. Oui. Oui, tout à fait. Écoutez, je n'ai pas eu le temps d'en parler parce que, comme vous voyez, il y avait énormément d'informations à donner, mais au point de vue de l'imaginaire, il ne faut pas oublier que tout ce qui va passer, c'est pour ça que je disais à la fin des années 50, début des années 60, l'apparition de la télévision, hein, des émissions Les Ploufs, des émissions pour enfants, etc., ça va littéralement cimenter. Alors que l'Église avait plus ou moins joué ce rôle-là auparavant, là, les gens, même s'ils sont étendus à des endroits bien différents, vont tous voir la même chose. Et surtout, vont se retrouver dans cette image-là. Ça va leur redonner une image d'eux. Et cette présence de la télévision-là, elle est unique dans le monde. Le rapport du Québec et de la télévision,
télévision, surtout des téléromans, est absolument unique. Et cette perception-là qui va se faire jusqu'aux grandes séries, là, L'Anse et Compte, etc., qui va atteindre des pics jamais connus nulle part dans le monde, avec les émissions comme La Petite Vie, mais aussi Les Filles de Caleb et même la série Émilie. Et ça, ça a été un ciment social, littéralement, parce que les gens se voyaient, se reconnaissaient, se comprenaient également et, d'une certaine manière, pouvaient s'affirmer davantage grâce à ça. On pouvait en parler avec les autres. Ça nous venait un nouveau ciment social qu'on n'a plus du tout avec les nouvelles générations aujourd'hui. La télévision qui est complètement éclatée, les supports, les contenus. D'ailleurs, les jeunes n'écoutent plus la télévision. Ils vont écouter des contenus vidéo, mais sur leur tablette, sur Netflix, etc. D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé avec Netflix dernièrement. Donc, on n'est plus du tout là-dedans. Donc, cette rencontre-là, que la moitié, littéralement, du Québec qui écoute la même émission, on n'est plus du tout là-dedans. Et ça, ça a probablement beaucoup joué pour l'imaginaire. Et dans le fait également que tous les éléments du discours politique, c'est plus difficile de rejoindre les gens parce que tout est éclaté maintenant. C'est avec la multitude des plateformes, c'est aussi l'éclatement du message. Il va y avoir certains discours, puis vous savez ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Quand un discours nous plaît, on va avoir tendance à l'écouter et ça va renforcer notre idée. Et on ne sera pas au courant de tout ce qui se passe pour le reste. Et malheureusement, cette individualisation des méthodes et des plateformes médiatiques fait en sorte également que ça nous atomise complètement. On se renforce dans nos idées avec les quelques personnes qui pensent comme nous, puis on n'est pas au courant de ce qui se passe pour le reste, et ça devient plus difficile. Ça tombe bien pour ce qu'on appelle tout ce qui est le développement économique, hein, personnaliser votre cellulaire, personnaliser tout, individualiser le plus possible. Mais en tant que société et collectivité, ça devient complètement une nouvelle donne. Et c'est très difficile d'ailleurs à analyser. On est là-dedans présentement. Oui. Répondre rapidement. Il y a un sociologue américain, Martin Lipset, qui a écrit un ouvrage, quant à moi, est encore un classique, il compare les États-Unis et le Canada. Et il y a un chapitre, justement, sur le développement du sentiment national au Canada. Il fait le constat suivant, assez pour lui paradoxal. Il dit, les Canadiens vont continuer à maintenir des éléments de différenciation très forts avec les Américains, mais la manière dont ils vont se représenter la nation canadienne, elle est-elle de plus en plus américaine? C'est-à-dire que leur façon de définir la nation canadienne est américaine, même si les éléments de cette nation sont différents des États-Unis. Alors, il faisait ce constat des débuts des années 90, et c'est possible que ce phénomène va aller s'accentuant. Moi, j'aurais une question. Ta conférence, Marc, souligne une espèce d'un fil conducteur qui traverse l'histoire politique canadienne, qui est celui d'une domination impériale. Tandis que toi, Catherine, on a l'impression que la période de la dernière génération, là, depuis 20 ans, c'est comme si le Canada a perdu dans la nouvelle ère trudeauiste, là, il y a plus de référence au passé. C'est comme si le Canada est en train de s'improviser quelque chose de nouveau, mais qui pas mal, qui tourne le dos à notre histoire politique. Est-ce que c'est une façon, cohérente de comprendre ce que tu disais? C'est une coupure carrément avec l'histoire. C'est ce projet utopiste. Écoutez, des fois, j'ai envie de dire, là, vous savez, Ernest Renan, la définition, là, bon, ben, c'est surtout pas l'histoire, hein, dit Renan, mais c'est comme s'il y avait une compréhension là, x10 de ça. Donc, il ne faut surtout pas avoir des liens de quoi que ce soit. Il ne faut pas penser à l'histoire, il ne faut pas penser à aucun lien qui pourrait justifier. Donc, plus on est différent, même à la limite, mieux c'est. D'ailleurs, on le voit au point de vue des statistiques présentement. Je ne sais pas si vous avez vu ça, les nouvelles statistiques viennent de sortir. Les immigrants récents, le pourcentage, il n'y a plus une grosse différence avec ce qu'on appelle les Canadiens francophones, là. Donc, c'est assez particulier. Et pour lier ça, puis, tu sais, on n'en parle pas, là, personne, mais pourtant, c'est très important, les clientèles électorales, hein, vous savez comment on est là-dedans présentement. Donc, les clientèles électorales, ce sont eux. C'est pas pour rien qu'on se déguise, là. On va les chercher. Et on sait que, entre autres, les Canadiens français sont complètement divisés pendant ce temps-là. Donc, ils se cherchent. Donc, c'est une bonne façon aussi. On coupe l'histoire. Les immigrants récents, bien, vous êtes l'apport le plus intéressant présentement pour nous faire réélire. Donc, on mise là-dessus. Et donc, surtout, il ne faut pas trop penser à ça. Donc, pour revenir, pourquoi? Parce que ce projet utopiste, il se projette dans l'avenir. Il n'est pas du tout dans le passé. Il n'est pas enraciné. Il n'y a pas de racine. Il se projette dans l'avenir.
Juste une petite réponse rapide. Vas-y, Marc. Il y a quelques phrases dans Le Prince de Machiavel, où Machiavel donne des conseils à un prince, notamment comment conquérir un peuple déjà libre. Alors, une fois que vous l'avez conquis, il dit au prince, qu'est-ce que vous devez faire? La première chose que vous devez faire, c'est d'éliminer tout ce qui rappelle leur liberté ancienne. Si vous voulez asseoir votre domination sur un peuple qui a déjà connu la liberté, vous devez éteindre la mémoire de cette liberté ancienne. Conseil de Machiavel. Oui, alors, monsieur? Si on continue avec la question de monsieur ici, et de la réponse, évidemment. Smith, dans The Invisible Crown, suggère que la reine ne peut pas être considérée comme une chef d'État et doit plutôt être considérée comme quelque chose d'autre, justement, parce qu'elle est plus qu'une chef d'État. Alors, je vais revenir avec la réponse que vous avez donnée, parce que j'ai plus l'impression que vous avez dit qu'il fallait considérer les différentes formes, est-ce que c'était le bon mot? Peut-être que je me trompe, là, qu'il y avait des possibilités, et qu'après ça, on pouvait regarder après ça les régimes de gouvernement. Et moi, je me demande si c'est pas plutôt le régime, justement, qui fait en sorte que justement, c'est un empire impérialiste, et c'est le régime du fait que, justement, c'est parce qu'il y a une couronne, justement, que c'est une reine, et que le Canada a le même système, justement, nous sommes un royaume, et que c'est cette structure-là, justement, monarchique, comparativement à l'État, justement, un État français ou tous les autres États, justement, qui fait en sorte, justement, que lorsqu'on regarde toute cette structure, nous sommes toute la structure qui fait en sorte qu'il découpe le chef, un chef, on appelle ça un chef d'État, mais ce n'est pas vraiment un chef d'État, c'est un monarque avec un chef de gouvernement, et cette structure-là rend les choses très, très différentes, justement. Et je me demande si ça ne se situe pas là, justement. C'est ma question. OK. Étant donné que normalement, on devait prendre la pause dîner à 1h30, peut-être, je vois qu'il y a Robert Comeau et François. François. Donc, Madame Cardinal. OK. Peut-être, est-ce que ce serait possible, peut-être, d'y aller tour à tour, puis on pourrait donner un droit de réplique? Alors, dans le fond, ce qu'on souligne aujourd'hui ou hier, c'est un peu la mémoire de 1867. En fait, j'ai une question plus ouverte, transmission de la mémoire et la recomposition et la reconstitution du passé. Alors, il y a 5 ans, Benoît Pelletier, avec l'aide de la IEQ, on avait organisé un colloque qui portait sur les 30 ans du rapatriement et surtout de la Constitution en 1982. Et on avait procédé à un sondage d'opinion et certaines questions portaient sur ce que les gens savaient. Et il y a 5 ans, il y avait 50% des Québécois qui ignoraient que le Québec n'avait pas adhéré à la Constitution de 1982, et la proportion est encore plus élevée dans le reste du Canada. Donc, c'est une donnée importante, mais du point de vue aussi de la réécriture ou la reconstitution du passé, qu'en est-il dans un pays comme le Canada? Et je me réfère à une information que j'ai obtenue hier en lisant je ne sais plus quel journal, qu'un Canadien sur 5 qui est né à l'étranger. Alors là, on n'est pas dans, ne sommes-nous pas dans un contexte qui facilite, un nouveau narratif sur le passé dans un contexte où un contre-discours a beaucoup de difficultés à s'imposer, puisqu'il y a cette absence de mémoire partagée de ce qui a été fait par nos prédécesseurs. OK, merci. Alors, Linda? Moi, peut-être un peu aux deux. Merci de vos présentations. Je pense que le nouveau message qu'on reçoit maintenant de nos élus, c'est qu'on est devenu un pays post-national. Dans les travaux de James Tully, on parlait aussi du Canada dans sa relation avec les peuples autochtones qui doit devenir un pays post-impérial. Et il y aurait aussi là-dedans ajouté la notion de post-colonial. Alors, mais si je comprends bien,
Donc, le poste national, c'est pas encore fini la nation, mais on est quand même dans le poste. Et sur le plan de l'analyse, Marc, par rapport au post-colonial ou colonial et à l'impérial, est-ce que selon toi, il faut dissocier les deux ou s'il y a moyen de, ou s'il faut plutôt essayer de comprendre dans le Canada la dimension coloniale et impériale ensemble ou bien s'il faut complètement les dissocier? Merci. OK. Alors maintenant, Robert Comeau. Bon, alors juste par rapport à l'histoire, j'ai bien aimé la dernière remarque de Marc, et je note qu'il n'y a pas beaucoup d'historiens non plus de, parmi les communicateurs. Moi, je trouve qu'il y avait deux faits historiques qui ont beaucoup de sens, mais on n'en a pas beaucoup parlé. C'est des faits militaires, c'est des défaites militaires, parce qu'en 67, il n'y a pas une grande victoire, mais pour moi, ça s'est fait dans deux moments. Le Canada, pour moi, il commence en 1840, et c'est la disparition du Parlement pendant 30 ans. Ça, c'était la première condition. Pour régler la question des Français, c'était de leur enlever un Parlement où ils étaient majoritaires. Et c'est tellement vrai que c'est 1840 qui est le début du Canada que l'acte d'union, vous savez qu'il a changé de nom pour British North America. Et quand on a fait 1867, le gouverneur l'a bien rappelé, c'est le même nom de British North America, mais en le 10 février 41, pourquoi on a choisi le 10 février 41 pour faire commencer le régime d'union? C'est parce que le gouverneur a dit, au traité de Paris, c'était le 10 février 1763. C'est important, eux autres, ils ont le sens de l'histoire. C'est-à-dire que l'union a commencé un 10 février pour rappeler que la défaite, ou plutôt que leur victoire politique de 1840, s'inscrivait à la suite de la défaite du Canada français ou de l'Empire français du 10 février 1763 du traité de Paris. Je trouve que l'histoire, là, quand on fait un peu d'histoire, c'est essentiel. Et pour moi, la deuxième défaite importante sur laquelle s'appuie le Canada, c'est la défaite des Métis. Et c'est ça, ces deux faits. Et là, si on comprenait bien ça, on pourrait comprendre que, au fond, 1867, ça a commencé bien avant et ça s'est réglé en deux étapes. Une fois qu'on a écrasé les Français puis écrasé les Métis, on a pas mal de travail de fait. Il reste maintenant les réserves. Et sur la question des réserves, ça serait important qu'on revienne au livre qui a été fait pour montrer la différence entre les réserves très nombreuses au Canada anglais qui ont été mises sur pied par le parti de MacDonald. Il y en a eu, je crois, 230 pensionnats pour angliciser. Alors que au Québec, les pensionnats fédéraux, comme il n'y a pas de traité, il n'y avait pas d'obligation vis-à-vis eux, et il y en a eu à peine une dizaine entre 1955 et 65, et les Oblats disaient bien qu'il fallait éviter d'enlever la langue aux Anglais. Alors, il y avait deux attitudes, mais là, c'est comme si les Québécois étaient devenus les grands responsables de tout ce qui s'est passé dans les pensionnats au Canada anglais. Moi, ça m'écœure un petit peu, cette affaire-là, parce que on fait jamais la différence entre ce qui s'est passé au Canada anglais et ce qui s'est passé au Québec. OK, merci Robert. Donc, je vais donc donner un droit de parole là, à Catherine et à Marc. Peut-être commencer avec Marc. Ben, rapidement, oui, la reine Elizabeth II. Elle est quelque chose de ça à définir, puisqu'elle est reine. Son titre officiel, selon la loi sur les titres royaux de 1949, qui est une loi de notre cher Parlement fédéral, elle est reine du Canada. C'est son titre. Bon, dans les faits, sans faire un cours sur la monarchie, je dirais que c'est un drôle de souveraine, parce qu'elle règne, mais elle n'est jamais présente dans ses ex-colonies. Et elle délègue finalement dans les faits sa fonction d'incarnation à des personnes qui sont choisies par finalement les gouvernements des anciennes colonies. Par contre, ça montre que le Royaume-Uni est encore un empire. Il y a encore cette idée d'universalité extraterritoriale qui est encore là. Elle n'a pas. Et on est encore lié par cette extraterritorialité ici lorsqu'on a voulu changer les règles de succession royale. Bon, il y a, comme vous savez, sûrement ici. Il y a une poursuite. Bien, cette petite question qui peut sembler, un détail du droit constitutionnel, je mets ça entre guillemets,
nous rappelle que cette extraterritorialité britannique n'est pas éteinte. Elle n'est peut-être pas très visible, puis les gens n'y pensent pas tous les jours, mais elle est toujours là. Ensuite, difficulté de la mémoire partagée, oui, effectivement. Et je dirais que fabriquer du nouveau en comptant sur l'oubli, c'est une façon de faire, de gouverner, qui peut servir parfaitement un empire. Il va sans doute émerger quelque chose de tout cela. La question, c'est de savoir, est-ce que nous allons être passifs en tant que collectivité face à ce phénomène, ou est-ce que nous allons nous donner des moyens à l'intérieur des moyens dont nous disposons pour nous donner une mémoire collective qui réponde à nos valeurs et des idéaux de notre époque? J'en sais rien. On se désole tous les jours sur l'état de notre système d'éducation. Est-ce qu'il est apte à fabriquer cette mémoire qui honore à la fois notre passé et tient compte évidemment aussi du fait que, un cinquième des gens sont nés à l'étranger? Pour l'instant, j'en sais rien. À mon avis, il faut distinguer la dimension coloniale et impériale, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de réfléchir sur la partie coloniale de notre histoire, parce qu'évidemment, elle est déterminante. Mais ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est qu'il faut comprendre qu'on en est un peu sorti aussi. Ce qui est à l'œuvre maintenant et qui est en fait à l'œuvre depuis assez longtemps, quant à moi, c'est autre chose. Ça s'est construit sur, bien sûr, une marque coloniale, mais ce construit, pour moi, relève de la dynamique de l'Empire. Il faut bien sûr distinguer les deux moments, mais il faut, justement, à l'heure actuelle, on peut bien sûr utiliser le discours colonial sur le plan de la rhétorique politique. C'est très efficace parce que c'est puissant. Mais moi, je suis un simple professeur d'université et ce qui m'intéresse, c'est la dimension analytique. Alors, pour moi, sur le plan analytique, confondre empire et colonialisme, c'est pas une bonne grille d'analyse. Et oui, je suis d'accord avec Robert, effectivement, ceux qui ont gouverné et qui ont façonné nos régimes avaient la mémoire des dates et étaient tout à fait conscients de la puissance de certains symboles. Et c'est pour ça, effectivement, que l'Union a été proclamée un 10 février. Donc, je m'arrête là-dessus. OK, alors Catherine? Oui. Bien, je vais justement rebondir sur la puissance des symboles. Le 150e, comme on le disait, c'est le 150e du Canada. Hein? Donc, le Canada, semble-t-il, n'existait pas avant les 150 dernières années. Ce sont des symboles. C'est une nouvelle façon de construire des symboles. Donc, M. Comeau parlait des symboles passés où on avait cette perception historique-là. Et là, ces nouveaux symboles-là font exprès, sont presque apatrides, nos symboles, maintenant. Ça, je dis, c'est une nouvelle utopie construite, mais c'est très particulier. Il ne faut pas oublier aussi, pour reprendre aussi ce que vous disiez, M. Comeau, on parlait de discours de culpabilisateur, en fait. C'est drôle parce que le fardeau de l'homme blanc imposait justement de faire ça. Et maintenant, on essaie de faire porter ce fardeau de l'homme blanc à des groupes qui ne faisaient pas partie, mais bien au contraire, qui subissaient ce fardeau de l'homme blanc. Donc, c'est assez particulier qu'on ait ce retour des choses-là. Mais, comment je pourrais dire... L'absence d'histoire n'empêche pas l'absence de symboles, bien au contraire. Et même, on a une multitude de symboles aussi qui font qu'au point de vue des idéologies, vu qu'on n'a pas ces repères historiques-là, plein de choses se confondent. Par exemple, pour plusieurs Québécois, le républicanisme, c'est lié à la laïcité. Et même, vont voir ça comme un progrès, donc le progressisme. Et pour certains amis du Canada anglais, c'est le contraire. On va voir des questions comme l'on l'a vu récemment avec la loi 62, etc., comme quelque chose de très conservateur, qui est rétrograde, de droite, alors que pour d'autres, c'est quelque chose de plus progressiste. Donc, vous voyez, on est en train de mélanger toutes ces idées-là parce qu'elles n'ont plus de repères, on ne peut pas les concevoir. Donc, ce sont des idées lancées en l'air et souvent des idées qu'on recycle des États-Unis également. Hein? Et même, des fois, on voit le colonialisme comme la situation de ce qui s'est passé avec les conquistadors en Amérique du Sud. Donc, on se voit comme faisant partie de ces blancs-là en tant que tels.
alors que pour certains, le nègre blanc d'Amérique ne veut plus rien dire et on ne se voit pas comme ça. Donc oui, le fait d'être coupé de ses racines historiques, de ne pas les connaître, de ne pas avoir cette connaissance-là, fait que tous les nouveaux symboles qui circulent créent littéralement une confusion. Puis comme le soulignait M. Rocher, quand les gens ne connaissent pas, ils ne peuvent pas faire les liens. Écoutez, des fois, je fais la blague sur... vous savez, Benito Mussolini, quand il faisait un discours, il pouvait dire dans la même phrase qu'il était progressiste et conservateur, qu'il était pour... donc, il disait deux concepts dans la même phrase et les gens applaudissaient et disaient oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas ces concepts-là. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre que ça n'avait aucun sens qu'on les mette dans la même phrase, vu qu'ils étaient en opposition. Mais on vit cette chose-là. On est tellement déraciné qu'on ne peut pas comprendre ces bases-là. Donc, ces concepts-là ne font plus de sens. Au mieux, à quoi on peut se raccrocher? C'est au symbole. Dans ce cas-ci, vous avez vu Justin Trudeau. Écoutez, il se fait prendre en photo avec une chemise rose puis des bébés pandas. Là, c'est dur de ne pas être pour Justin Trudeau, là, vous comprenez? Quand on a le sens de la formule de l'image, ça aide beaucoup. Hein? Qu'importe, l'important, c'est le messager dans l'ère dans laquelle on est. Et si personne ne peut bien comprendre et analyser cette situation-là, bien, ça semble un message tout à fait positif dans lequel on peut se reconnaître. Voilà. Donc, il n'y a pas plus de questions à se poser que ça. OK. Alors, merci, Catherine. Donc là, il est 1h15. Normalement, on devrait recommencer vers 2h. Alors, je ne sais pas si les organisateurs du colloque veulent qu'on conserve la 2h pour le retour. Ça serait bien. C'est super. On va prendre un petit sandwich, puis vite fait dans les barrages et on revient. L'idée, c'est qu'on puisse finir à une heure raisonnable. C'est vendredi. Hein, on a hâte à la fin de semaine, mais aussi on veut que vous soyez avec nous, vous restiez avec nous. Donc, on propose 2h. Peut-être qu'on commence un petit peu plus tard, on dit un peu.